Loïc, déjà félicitations pour ce deuxième titre de champion de France 2. Dès samedi soir, tu t'attendais à ça? Tu pensais, bon, tu avais un petit peu d'avance, mais tu pensais que tu le ferais dès ce soir? Ouais, déjà merci. Honnêtement, non. Parce qu'au vu des dernières courses, on avait imprimé un rythme un peu au-dessus avec Mathias. Donc je m'étais dit, ou lui va gagner ou moi, il manquera un point quoi qu'il arrive, au mieux. C'était sans compter que les spéciales soient très sinueuses et que Jérémy roule très bien aujourd'hui. C'est ça, Jérémy Tarot s'est interposé entre toi donc, et Mathias Bellino, ce qui te permet d'être titré dès ce soir. C'est ça, c'était le scénario idéal. Après, je ne calcule pas ce que vont faire les autres, j'essaie de bien faire sûr. Le mieux pour ma part. Je voulais quand même gagner. Après, c'était une épreuve sinueuse. Il y avait en liaison et tout moyen d'abîmer la moto, de faire un quartier, de faire une pédale de frein, de faire des merdes tout simplement. Et c'est donc, une épreuve de championnat de France costaud. Ouais, c'est ça. C'est du haut niveau pour le championnat de France. Donc du coup, il fallait à la fois préserver la moto, à la fois mettre du gaz. Et j'ai vu que Jérémy était en forme, Mathias un poil en retrait. J'ai dit là il faut frapper fort pour essayer d'en finir dès ce soir. Au moins, on prend moins de risques. La pression, tu sembles pas connaître en fait. J'ai quand même géré déjà des championnats par le passé, que ce soit en cross ou maintenant même en enduro, parce que c'est pas le premier et j'espère pas le dernier. Donc c'est toujours que on se pose beaucoup de questions dans la journée, on fait attention à tout, donc on roule pas forcément à 100% libéré, mais dans la dernière je savais qu'il y avait moyen d'en finir, donc tant pis, on tente pour le tout et c'est passé, donc tant mieux. Bon, l'an dernier tu roulais avec une autre moto différente, une autre marque, une Sherco 300, 4 temps. Cette année c'est un 4,5 Yamaha. Il y a quand même une belle différence entre ces deux motos. Tu prouves qu'on peut gagner finalement avec des motos très différentes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est deux fois un E2, mais deux motos bien différentes. Parce que la 300, ça reste une 300. Là c'est vraiment la grosse moto qu'on peut rouler en E2, c'est la plus grosse. Le team était nouveau, la moto était nouvelle, donc c'était un sacré challenge quand même à relever. Donc tout le monde s'est durement impliqué, que ce soit le team, Outsider Yamaha, les mécanos, les coordinateurs techniques. Tout le monde a bien bossé, moi également. En début de saison, ça n'a pas été forcément facile parce que il fallait trouver ses marques une nouvelle fois. Et puis on a prouvé qu'en bossant bien tout au long de la saison, on a pu être très performant dès la première année. Donc cette moto, vous avez travaillé dessus quand même, tu avais des réglages. Je sais qu'en début de saison, c'était un peu plus compliqué, quoi, évidemment. Et tu prouves qu'effectivement, ça se passe bien, la machine marche bien. Partant de la feuille blanche, c'était compliqué. Donc maintenant, il fallait juste trouver à me l'adapter parce que la moto, elles sont toutes bonnes dans son origine, ça, il n'y a pas de souci. Il fallait juste qu'elle me convienne à mon pilotage et c'est ce qu'on a réussi à faire et on va encore bosser cet hiver pour être encore meilleur la saison prochaine. Ce soir, pour en terminer, ce soir, ça se fête avec quelques bières ou tu restes concentré, tu manges une soupe, tu vas au lit et demain, pour emplâtrer demain, ça se passe comment chez Loïc Larieux? En enduro, c'est plus un secret, des bières, il n'y a pas besoin forcément de faire une bonne journée pour en boire une. Après, là, ce soir, ça sera peut-être l'occasion d'en boire deux, trois, et puis d'être quand même performant demain, parce que je reste un compétiteur et j'en veux toujours plus. T'as envie de... J'ai envie quand même de m'imposer encore demain, donc après, ça dépendra de l'état de fraîcheur, mais on verra demain matin au réveil, bon. D'accord, ça s'arrosera peut-être demain soir. Voilà, peut-être. Ça marche, merci.